Le spectacle, c'est du live. Donc ça peut jamais être la même chose. Même si Holiday on Ice est très carré et qu'ils sont toujours les starting blocks pour que tout se répète, eh ben, quand on fait du patinage artistique en live, on n'a jamais le même spectacle. Ça reste un spectacle inédit à chaque fois qu'on le joue. Holiday on Ice cette année fait un truc extraordinaire, c'est qu'elle, entre guillemets, Holiday on Ice se paye le luxe de mettre à la fois dans le même spectacle la qualité du spectacle qu'ils ont toujours eu, mais en plus de rajouter sur Diabonali, Sarah Beatball, Stéphane Verladis et moi-même sur le même spectacle. Et ça, je pense que dans l'histoire d'Holiday on Ice, peut-être à leur début il y a très longtemps aux États-Unis, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Tous les ans, c'est une nouvelle revue, c'est un nouveau spectacle, il y a des nouvelles choses à voir. C'est jamais le même spectacle. J'essaye toujours d'amener quelque chose de nouveau ou d'inédit dans les spectacles, et de plus en plus, j'essaye d'amener un peu la comédie. Je pense que si j'ai cette personnalité et que j'existe encore aujourd'hui, c'est que j'ai toujours essayé de mettre, entre guillemets, la petite touche candelle dans mes numéros, dans ma façon de m'exprimer. Chers membres de VentePrivée.com, je tenais à vous adresser vraiment un grand grand bonjour, et j'espère qu'on vous retrouvera tous dans tous les zéniths de France pour le nouveau spectacle d'Holiday on Ice. J'espère qu'on vous donnera de très grands moments, de très grands frissons. Avec beaucoup de plaisir, à bientôt sur la glace.